Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une petite découverte en direct de The Assembly. Malheureusement, il n'y a rien à voir avec l'Assemblée Nationale. J'aime pas regarder 36 000 trailers, 18 000 images avant d'acheter un jeu parce que ça me gâche toute la surprise en fait. Là, j'ai l'impression d'être première fan de Justin Bieber qui va se manger son premier aller-retour. Quoi. Ce qui fait plaisir, c'est que ça tourne pas sur Switch. Le périmètre A. C'est beau. Minutes. Il y a plus de beauté dans le petit coussin là, avec les deux petits trucs noirs et des effets de lumière là que dans l'intégralité de la prairie de Zelda. Breath of Wild, évidemment. Alors par contre, je suis juste une tête qui flotte en fait, un peu au Jetson quoi. Quoi ? Je suis dans Futurama. Il n'y a pas de micro ici. Franchement, sérieux, ils auraient pas pu foutre un corps ? Que Dieu me tripote, c'est en français. Madame, on a la nouvelle candidate. Je pensais pas que c'était en français. Confirmé. Bonjour, Dr. Ming. Ah mais on va à Arkham en fait. Et je suis Batman, enfin Batgirl. Mais voilà, c'est ça, tu vois, t'es en VR, tu pourrais faire ça et te toucher les nichons ou faire quelque chose et non, t'as pas de corps en fait quand tu baisses la tête. Et beaucoup moins immersif, surtout si je parle pendant les dialogues. Je sais que ça énerve beaucoup de monde sur YouTube que je parle pendant les cinématiques. Hein, je m'adresse à toi qui est en train de t'énerver devant ton PC parce que je suis en train de parler pendant les cinématiques et que t'es là « Putain, il fait chier ! Je lui mets des pouces rouges !» Voilà, je pense à toi, donc c'est pour ça que je parle pendant les cinématiques. C'est fait exprès, c'est le flegme à l'acerbe, c'est de l'humour acerbe. Dr. Stone, elle s'est rendormie. Par contre, les dégâts fait votre réputation. Oh, je peux pas reculer. Sans parler. Mur invisible. T'inquiète pas, j'arrive en roller. Qui a ordonné cette deuxième autopsie? Que plaidez-vous? Ou en patin à glace, j'en sais rien. J'aime bien ces genres de tapis, on peut dessiner, mais comme là je suis juste une tête qui flotte, on voit pas de traces, c'est dommage. Putain, tout est méga high-tech. Ils ont un fixe digne de 1990. Là au moins c'est une batterie amovible, c'est pas comme la Switch. Docteur Pearson, j'écoute. Je me le suis mis où là ? Est-ce que tu peux me rendre service ? C'est bizarre, un mec qui expose comme ça les tampax de sa femme, ça c'est quand même très bizarre. Hein. Le mec il doit avoir un grain. Ou il doit être très amoureux, je sais pas. Détends-toi, l'ami. J'y étais justement hier. C'est 2178. Vas-y, je veillerai à. Waouh, cette animation était incroyable. J'aime bien aussi les chargements qui ont un chargement. Je comprends pas l'idée. Il y a un temps de chargement pour charger le chargement. Pour charger le temps de chargement. Mais quel gars ou scientifique encadre une photo d'étagère de classeur? Tous les candidats doivent se soumettre aux épreuves. C'est joli, hein. Par contre, il y a vraiment des environnements jolis. Hein. Là, c'est très esthétique, c'est très joli, c'est bien recherché au niveau luminosité, colorimétrie. Là, il y a plus de claques techniques que dans l'intégralité du trailer de Zelda sur Switch. Oh! Ah, je dois dire que je m'attendais pas à ça. La femme du logicien accouche. La femme demande, est-ce un garçon ou une fille? Le logicien répond, oui. C'est une blague de scientifique? Ou d'informaticien? Qui c'est le beau toutou, hein? C'est toi. On dirait qu'il va le bouffer, sérieux. Qui c'est le beau toutou, hein? C'est toi. C'est tout, j'ai fini. Il y a bien assez sur ce mémo pour que le CDC... Je vois bien. Quand il fait l'amour à sa face et d'un coup après... C'est tout, j'ai fini. Waouh, l'effet bizarre là, je me suis rapproché de la vitre. L'effet bizarre, on dirait juste un zoom sur le JPEG derrière. Bon, c'est un très gros easter egg à Mario. Hein. C'est un très gros clin d'œil à Mario. Ah, ils auraient pu rapprocher les écrans pour qu'on y voit mieux quand même parce que... Amérique du Sud. Très joli, hein. Il y a plus d'effets dans les carrelages là que dans l'intégralité de la Switch. Ah, on s'en va en l'air. Qu'est-ce que Baldwin raconte? Je suis pas sûr qu'il est en train de raconter. Enfin, putain, mais il a combien d'enceintes? 3, 6, 9. 12, 16, putain mais ah oui, il est taré de musique. Il est long quand même pour un jeu narratif, hein, je trouve. Mais alors le code gris-rouge, là je sais pas... Gris... Ah ! Rouge-gris. 3, 3, 2, 4. Mais ce n'est pas hypothétique, Madeleine.
Ce garçon est en train de mourir. Vous devez choisir une action. Vous plaisantez, j'espère. Oh, nom d'une pipe. L'Assemblée fait ce genre de choix tous les jours. Habituez-vous. Ok, là c'est dur. Là c'est très très dur comme choix. J'ai mis une minute pour me décider. C'est bien qu'ils mettent le temps aussi, c'est très important. C'est task cryogénique. Une minute 48. Eh, 1 minute 48. J'ai cru d'avoir passé 5-6 minutes sur ce choix. Tellement il était compliqué. Les objectifs, tout ça. Sega Europe, c'est un jeu Sega ? Bonjour sur les amis. Merci d'avoir suivi cette aventure. Désolé Julien, t'es arrivé au bon moment. A bientôt pour nos aventures. Bye bye.